Allez, on se retrouve pour la prochaine mission de Colombie. Depuis le début de la journée, les Marines américains sont parvenus à repousser les forces nord-coréennes de Séoul. Les Marines. Avec l'arrivée prochaine d'une autre division, Et qu'est-ce que fait l'Ukraine l'armée va de pouvoir terre, enfin retrouver la tout? stabilité, revenir dans la région. Non, mais parce que je pense qu'il y a quand même des mecs de l'armée de terre qui sont. Pourquoi est-ce qu'un homme survit et un autre meurt? Parce que. À ce jour, je n'ai toujours pas de réponse. Mais la mort nous rattrape tous. Un jour ou l'autre. Quand on perd plus de 6000 hommes en à peine 4 heures, la mort de l'un d'eux n'est plus qu'un numéro parmi d'autres. Mais l'un de ces numéros était mon meilleur ami. Et une partie de moi aurait préféré. Moi j'en ai rien à battre de ton. Les morts, ils ont réglé leur dette. Non mais franchement, j'ai même pas eu le temps d'analyser son personnage et tout. Enfin, j'ai pas eu le temps de m'attacher à lui. Là, c'est. Le Black qui serait mort, ça aurait été pareil, hein. L'importance d'une vie se mesure à l'impact qu'elle a sur celle des autres. Sous cet aspect, le soldat Iron, c'était parmi les meilleurs. Et les autres, on s'en bat les couilles. Il y a eu d'autres morts, mais alors on s'en bat les couilles. Atlas a été enduré, ouais. Type d'exemple spécialiste. Ok. Bon. Il laisse une famille. Et vas-y, on peut buter des gens pendant l'enterrement! Ou faire des conneries, comme le palmachot. Oh mon dieu, sa tête me dit quelque chose. Bonjour. Bah, j'ai pas envie de présenter mes hommes. C'est le mec qui présente pas. Attends, ah oui, on peut boucher le truc. Eh, salut. Eh, ça va? Ouais, la famille. Ah, oh, il a un bouquet là-bas! Eh, il est sympa ce Sakura. Ah, des Sakura. C'est classe. Ouais. Ah, j'ai mal au bras. Enfin, j'en ai presque plus, mais sinon. Ouais, peace and love, mon frère. Ouais, on peut se casser? Attends. Bonjour. Eh, tu veux voir ce qu'il y a dans mon slip? Et toi, t'es moche. Et toi, j'aime pas ta moustache. Salope! Le mec, c'est un connard. Et toi, il pousse le cercueil, vas-y, dégage. Salut, bande de tocards, je prends ma retraite. Désolé, Mitchell. Oui, il était l'un des meilleurs. Non. C'était moi le meilleur. Si tu as besoin de... Excusez-moi. Oh, Kaiser Soze. Je me casse. Monsieur Irons, au secours. Toutes mes condoléances. Je vous remercie, sergent. Soldat Mitchell, vous étiez l'ami de Will. Vous avez tous les deux souffert pour votre pays. C'est une regrettable tragédie, monsieur. C'est plus que regrettable, sergent. Ça n'aurait pas dû arriver. Qu'est-ce qu'il fout là, Kevin Spacey? Il s'est perdu, hein, entre deux films. Monsieur Irons, Mitchell a été réformé avec ses blessures. Oui, je suis au courant, sergent. Chez Atlas, nous avons des prothèses qui ont 20 ans d'avance sur l'équipement actuel de l'armée. Il va bien, John Doe? T'as encore tué des gens? Vous méritez de vous battre pour des forces aussi efficaces que vous. Pensez-y. Je refuse que... Je suis sûr que t'avais rien sorti du truc, là, et que ça parle comme par magie dans ta sergent. Main. Ah, qui c'est qui tire? Et le mec, il fait un gros syndrome post-traumatique et il commence à tirer sur tout le monde. T'imagines le truc? Ok. Wow, putain! Faire cette fois. Alors, en position. What? Hey, Joker! Oh, putain, c'est celui de Mass Effect. Qu'est-ce que je fous, là? Oh, putain. Alors, soit... On a voyagé dans le temps, soit dans le passé, soit dans le futur, mais voilà. C'est chelou là, on a eu un flash. Les gars, qu'est-ce que je fous là? J'avais envie de le frapper. Deux sur la terrasse. Correction.
3. À toi, Mitchell. Salut! Salut! Discrétion. Salut! J'en ai marre de ces grenades. Moi j'en ai déjà marre, c'est comme le chien. What? Mais tout est sur lui. Ah, je m'en fous, je vais à la bourrin. Eh, on est américain, on ne l'est pas. Eh les gars! En même temps, est-ce que j'ai essayé de faire en sorte d'être discret? Bonjour. Alors, bonjour la poubelle. Salut, salut. Je suis dans la cuisine, Schmitt. Et Schmitt, et Schmitt. Et qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Et qu'est-ce qu'il y a dans cette porte? C'est verrouillé. Il y a pas un petit ordi que je récupère quelques renseignements? Non, il y a juste une chaîne Wi-Fi. Bonjour, il y a les oranges du marchand. Attends, donc ça c'est verrouillé, ça c'est verrouillé. En fait, cet endroit ne sert à rien. Tant. D'accord. Enfin, attends, là c'est censé être ouvert, donc pourquoi je peux pas ouvrir? Ok. Tu peux pas mourir. Bien sûr, prophète. On est à l'intérieur. Bah non, maintenant je me casse, hein. Je veux fouiller le reste. Je sais pas ouvrir des portes couchales. Bonjour. Putain, le mec, c'est... Je suis sûr que c'est ouvert, mais le mec, il sait pas où... ouvrir tout seul. Oh, la piscine. Ah, on a plus l'équipement. Oh. Mais je veux me baigner. Pas grave, je tire. Eh. Eh, plouf. Ouais! Oui, je suis fier de moi. Bon, bah, salut! Ah, bah bon. Non, mais je t'en. Mec, ah bon? J'étais en train de me barrer là. Sentir là, et je sais pas là. J'avais une maison, mais j'ai pas compris. Très bien, qu'est-ce que je fous là? Bon. Au moins, pour une fois, c'est pas des Russes. S'il vous plaît, mettez pas des Russes. On en a marre hein, de toutes ces troisièmes guerres mondiales avec les Russes. Voilà. De toute façon, on sait que la troisième guerre mondiale, ce sera contre les Américains. Parce qu'ils font chier tout le monde. Mitchell, lance une grenade de marquage. Grenade! Ah, c'est pas ça! Nettoyez la pièce! Ah, ok. Ah, c'est ça! Pousse-toi! Pousse-toi, espèce de gros! C'est bon. J'ai envie de te foutre un coup, Joker. Déjà, rien qu'avec un nom comme ça, j'ai pas confiance. Hein. Parce que c'est un coup, est-ce que tu empoisonnes toute l'équipe? Voilà. En gravant un sourire sur leur visage, je me méfie, moi. En fait, on... J'ai failli dire on est chez qui, mais en fait non, je m'en branle. Moi j'ai rien suivi là. Il y avait Kevin Spacey, il m'a parlé, il m'a donné une carte, j'ai pas compris. Fasse de bruit. Prépare la charge silencieuse. On a pas fait de bruit. Approche-toi. Et là ils auraient repéré. Attends, mais c'est bon, ils sont sourds en fait. Monsieur le Président, on est l'équipe de sauvetage d'Atlas. Vous pouvez confirmer votre identité? Alpha, Zulu, Tango. C'est qui? Okay. Baissez la tête. Si c'est le président des États-Unis, je le tue. Eh! Vous avez tué le président! Ouais! Monsieur le Président, on est l'équipe de sauvetage d'Atlas. Vous pouvez confirmer votre identité? Je sais pas quel président c'est, mais au cas où que c'était le président des États-Unis, je le bute, hein. Baissez la tête et restez prêts. Entendu. Eh, franchement, si ça permet de sauver le monde, tu vois, c'est comme dans l'autre film où le mec, quand il touche les gens, il arrive à voir, tu vois, les trucs. C'est pareil, là, hein, j'ai vu que le mec, il allait détruire le monde, donc je le bute, quitte à y passer, mais non, je suis comme John Wick, je tue tout le monde, hein.
si je veux. Regarde, je tue ce vase. Je tue cette porte. Je tue ce placard. Tu vois ce truc? Ok. Je vais quand même garder ça. Je tue ce vase. Je tue ce tableau. Je tue cette lumière. Je tue ce drone si je veux. Je tue ça aussi. Ah bah si, finalement, il y a des munitions. Je tue ça aussi. Je tue qui je veux, hein, hein. T'es qui? Ah! Au secours! Au secours! Ah, mes yeux! Mes yeux! Mes yeux, président! Salut! C'est pas vous qui le buterez, je le tuerai bien avant vous! Aïe! J'ai mal. Ah putain. Bonjour. Honnêtement, s'il y a une situation où le président il meurt, lors d'une QTE, je fais exprès de rater. Hein. Non mais là, je préviens d'avance. Hein. J'ai pas envie de protéger. Hein. Ah. Puis là, il n'y a pas spécialement pour les États-Unis. De base, j'ai pas envie de protéger un président. Tout court. On les laisse passer. Ah, on quitte la zone ici. Merde, liquidez-les. Non. Je pour moi m'abriter. Oh putain. Ok. M'en fous, hein, je veux quand même tirer, hein. Il faut juste que je trouve un endroit où m'abriter. Puis je laisse mes potes faire. Eh, c'est mal me connaître. Mais c'est bon. On les laisse passer. Merde, liquidez-les. Allez. Voilà. J'avais dit, c'était une bonne tactique. C'est rusé, fin. Ah, franchement, moi je te dis. On continue. Voilà. La maison de campagne du président a bien changé, hein, moi j'ai. Hein. Prophète, je croyais que je quittais la zone de mission en allant là-bas. Il me dit n'importe quoi, le QG, hein. Il est complètement con. La 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 la. Eh, j'adore me droguer. On va le retrouver à fumer de la beuh à la fin. Tu sais, mais la beuh de Resident Evil. Voilà ce transport. Michel, fais monter le président. Ah merde, c'est notre truc. Moi, je suis en train de tuer les gens dedans. Un beau fiasco. T'es un homme mort. On relance. Un problème technique n'est pas une excuse. Ta meilleure arme se trouve entre tes deux oreilles. Certain. Réinitialisation du simulateur. Oh non ! Non ! Non ! C'est son bras. Il est pas vraiment mort. Ce bras a plus de valeur pour moi que ce complexe entier. Et mon protégé ? Il a des progrès à faire. Je croyais que t'étais mort, toi. C'est un très bon soldat. J'ai du rêve. C'est tout de même triste de voir l'armée. Salut, Kevin. Des hommes avec un tel potentiel. Montez, je vous fais visiter. Eh bah putain, tu dépenses bien ton fric. Oh. Oh, la simulation. Oh putain, c'est comme Hitman. T'aurais pas pu rester mort. Puis te tuer. Tourne dans la Jeep, Mitchell. Bonjour. Alors déjà, je monte si je veux. Oh, Atlas! Oh putain, c'est comme dans Borderlands. Tout est lié. Ou comme dans BioShock. Je me méfie là. Le premier chauffe qui débarque là-bas. Joker, on emmène Mitchell au labo.
prépare le simulateur pour une autre séance. Je m'en occupe, chef. Tu sais, ce qui me fait rire, c'est que toi, t'étais le doubleur du Joker de Mass Effect. Je trouve ça drôle. Ce que vous voyez ici est l'avenir de la guerre. Atlas a la plus grande armée active de la planète, mais nous sommes parfaitement indépendants. Contrairement au gouvernement, nous ne cachons rien de nos activités. On c'est ne bien. Vend pas de politique. Je peux bosser pour vous ? J'ai pas envie de bosser pour le gouvernement. Sérieusement ? Et je suis sûr qu'ils vont me faire totalement l'inverse. Je vais devoir rester fidèle au gouvernement et devoir buter les mecs Atlas. La puissance ne se résume pas à la destruction. Atlas possède des infrastructures partout. Corée, Sierra Leone, Nigeria. Nous faisons en quelques années ce que les gouvernements mettent des décennies à accomplir. Et même à dire vrai, nous sommes souvent plus efficaces que nos employeurs. Comme mon fils l'a appris à ses dépens. Bonjour. Bon. Et je peux prendre ta casquette ? Salut ! Eh, attends, je vais essayer de sauter pour choper. Oh, c'est Hollywood. J'ai toujours rêvé de visiter cet endroit. Je sais que vous ne faites pas ça pour l'argent. Vous me rappelez Will dans votre façon d'être. Faites-moi réparer ce bras. Ok. Allez, non. Grenade, 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 grenade. T'es sûr. Ok, par ici. Ta voix me rappelle mon pote. Salut, Ashman. J'aime bien ta tenue, ça me rappelle un peu... putain, comment ça s'appelle? Deus Ex. Ouais. Ouais. En même temps, dans la Call of Duty, tout te rappelle un film. Ou un jeu. Parce qu'ils ont pas d'imagination. Non, j'ai rien dit. No exo-usage in administrative area. Ça marche. No exo-usage. Attends, je vais lire tous. Attends, est-ce qu'il y a un ordi? Il y a des bouteilles? Salut. Ça va, mec? Attends, j'ai envie de causer avec tout le monde. Salut, Michel. Vous allez tous vous appeler Michel. Parce que c'est Michel qui le dit. Michel. C'est Michel, mais oui, Michel. Là, ça me fait penser aux visiteurs du futur. Et là, j'étais à 4 aussi. Hey, Michel! Michel! Bonjour. Attends. Oh, c'est drôle. Et bonjour, hop. Michel. Je suis, pas là. Ce qui est arrivé, je suis pas là. Ici. Attends. Attends, je veux trouver des renseignements. Eh, voilà, c'est bon, je suis là. Attends. Ah, voilà, je l'utilise. Ok, je vais lancer quelques diagnostics. Essayez de bouger votre bras, s'il vous plaît. Non. La 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 la. J'ai un petit réglage à faire. Une minute. Bien, recommencez. Ah la louli 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 louli. Je crois savoir d'où vient le problème. Vous êtes con. Une dernière fois, s'il vous plaît. Le truc. Voilà, c'est bon. Mais je vous conseille de vous entraîner un peu. Ce sera mieux pour la branlette. Quoi? Ce serait drôle si à chaque miniature de ce jeu, je mets une image d'un autre jeu auquel ça me rappelle. Ouais. Ouais, bah, je vais faire comme ça. Je vais mettre aucune image de ce jeu en miniature. Bien, on va au stand des tirs. Salut, connard. Ouais, il est où stand? Je te suis, si tu bouges pas, j'y vais tout seul, hein. Ah, oh. Ah, à un moment donné, le foutage de gueule, ça va, hein. Bon, alors, il est où le stand de tir? Il est là-bas! Le stand de tir!
Bonjour, est-ce qu'il y a le stand de tir? Alors, attends, stand de tir. Et maintenant. Et je vois pas, il est où ce stand de tir? Eh, c'est mal indiqué, putain. Eh, les gars, le stand de tir. Ils s'enhardissent de plus en plus, ils s'enfoiraient. Ils ont aligné tous les otages et ils les ont tués. Bonjour. Et le stand de tir, est-ce que c'est là-bas? Eh, vous savez, est-ce que quelqu'un sait où? Ah, bah voilà. Vous savez bien. Alors, et le stand de tir, hey, c'est où? Vous savez? Il a failli se briser le cou en utilisant ce système de saut. Ça a pas l'air si dur que ça, faut attraper le cou, c'est tout. Tu t'en es jamais servi? Ça, non, je suis pas fou. Je suis pas allé dans la benne. Non, mais quitte à être dans un truc de merde, autant... Est-ce que c'est là-bas? Hé, le stand de tir! Bonjour. Je me promène. Salut, Ménard. Attends. Et sinon, les femmes, ça existe encore Je pose la question, hein. Non mais parce que j'en vois aucune, hein. C'est comme dans Gear of War, et même dans Gear of War, il y avait des femmes. Je sais pas dire, mais... Alors que c'était un gros jeu macho, hein. Mais... mais il l'était pas tant que ça. Mais là... zéro, hein. Je vois personne. Bonjour. Ne rien dire. Ça m'évitera de me tirer des putains d'ennuis. Oh, j'ai envie de trop de m'entraîner au tir là. Oh. Bonjour. Alors suivre. Salut. Alors, est-ce que c'est par là? Ouais. Vu les armes, je dirais que c'est oui. Salut. Ah, t'es un mauvais guide, quoi, hein. J'ai eu le temps de faire 4 fois le tour, hein, du truc. Encore là, Ilona? T'as quelque chose à prouver? Je n'ai rien à prouver. Je suis toujours la meilleure. Ah, bah voilà! Putain! Il faut faire 400 bornes pour trouver une femme dans ce coin. Salut! Tu couches? Ouais, le mec, il cherchait juste une femme juste pour ça. Oh, non, Mitchell. Ça risque d'être délicat avec un pistolet. Active-le si t'as besoin d'un avantage critique. Et la batterie de l'overdrive s'épuise vite. Avantage de porno. Et le mec, il continue de parler. Le tir allié, c'est pas autorisé. L'arnaque! Ah, l'arnaque! N'empêche, la facilité scénaristique que j'adore, c'est... Comme par hasard, c'était notre meilleur pote qui jouait l'ennemi qui a buté le président. Ça pouvait pas être un autre, hein. Il pouvait pas en jouer un autre, un de ceux qu'on a buté. Non. Tu vois, c'est... Ouais, je suis prêt. T'es beau. Et alors, tu... Non. Ok, c'est bon. Elle va te faire foutre. Activation de l'entraînement réalisé. Non. Faut pas encore tirer. Début de la manche 1. Attention aux alliés. Utilisez l'overdrive. Je vais tuer que les alliés. Début de la manche 2. T'as une famille, Mitchell. Ouais. Et alors? Je tue que les trucs en bleu. Utilisez l'overdrive. Ah, j'en ai raté un, je suis dégoûté. Je vais avoir un moins 1000 de la manche 3. Mon dieu, il y en a un là. J'ai failli le rater, hein. Faut que je m'améliore. Ah, mais non! J'ai eu peur. Entraînement
entraînement terminé. Oh, oh putain, je suis dégoûté. Médiocre. Eh ben, c'était pas beau à voir. Quoi ? Ah, au moins ils m'ont autorisé, je suis content. J'ai pas besoin de recommencer. Où ça, une grenade ? Chef, le simulateur est prêt pour la prochaine séance. D'accord. J'arrive dans une minute avec Mitchell. Comment ça ? Ah, ce truc. Ok. Bon, prends des grenades et suis le parcours d'entraînement. Les grenades variables te permettent de changer de type de grenade en fonction de la situation. Active la console. Ouais, bon. Lance une grenade de marquage. Calme-toi. Tire à travers les murs pour toucher ses cibles. C'est des vraies balles ? Le M et détruit les drones. Attends. Maintenez. Flash. IEM. Ah, c'est bien, c'est marqué dessus. Que serais-je sans ce jeu ? Lance une grenade intelligente et vise une cible pour la guider. Ça me fait triper quand même. Intelligente, hein, quand même, tu penses ? Ah merde. C'est l'autre. Intelligente, contact, frag. Ah c'est bon, on peut choisir des grenades frag parce que les intelligentes, je les déteste. Bien, recommence si tu veux vraiment te mettre à l'épreuve. Ouais, vas-y, une bonne vieille grenade frag. Contact. J'aime bien celle-là. Recommence, faut voir. Activation de l'entraînement aux grenades. Eh, hey, il est pas pareil l'entraînement. Utilise une autre grenade de marquage. Bon, vas-y. Grenade uniquement, Mitchell. Ouais. Entraînement terminé. Votre score est moyen. Ouais. Salut. Vraiment moyen. Bien, on va refaire une séance de simulateur. Vraiment ? La démonstration de l'exo 3ème génération commencera dans 5 minutes dans l'atrium. On est vraiment obligé. Et pourquoi la faute est que sur moi ? Et les mecs, ils étaient même pas foutus de voir un ennemi qui est venu pour buter le président. Moi, je devais juste ouvrir et laisser le président rentrer. C'était pas mon but de buter les ennemis autour, hein. Fils de pute. Voilà, voilà. Voilà, je suis comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Iron, c'est là pour observer. C'est moi qui mène cette fois. Équipe-toi. Ouais, ouais. Ouais. C'est quoi ce truc ? Ok, je le prends. Choisis ton équipement. Oh. Attends. Je attends juste deux munitions. Ah ouais. Ah ouais, la bonne vieille arme de merde. Bon, vas-y, je prends. Je peux quand même la prendre. C'est merdique quand même. Hein. Joker, on monte. On va mettre le simulateur en mode assaut cette fois. Bien reçu. Tout est prêt. Préparation du mode assaut. Démarrage de la simulation dans 3, 2, 1, exécution. Ok, on va faire ça à ma façon. Voilà, je bouge. Abattez-les. Éliminez-les. Contact. Utilise mais c'est ce que j'ai fait avant, hein. Bande de cons, je l'ai déjà fait la version assaut. Putain, il joue à la même façon. C'est quoi ce truc ? En ralenti, ok. Ah ouais, ah bonjour, je viens de tirer dessus.
Bon, on se calme quand même. Flash. Bonjour. Ça va, il y a un reflet bleu pour me dire que si je tire sur le truc. Bonjour. Ok, ça l'a pas touché. C'est comme une couille dans un slowie. Bonjour. Bonjour. Ouais, ouais. Ça pas ta version, hein. Moi, je dis. Hein. Bon, alors, vas-y. Après, je testerai l'autre jeu aussi que j'avais eu. C'est bon. On continue. Filtré. Choisissez un point d'entrée. On se retrouve au salon télé. Ah, cool. Cette fois-ci, je peux choisir. Et pourquoi ici, je peux pas? C'est raciste, monsieur. Mais genre, très raciste. Bonjour. Ouais. Putain. Michel, vérifie les champs. Mais on sait très bien où il est. On l'a vu l'autre fois. C'est le mec, il est pas du tout dans le truc. Ah putain, c'est exactement le même que j'avais abandonné en fait. Ils ont pas pensé à enlever les armes. Oh les cons. C'est qui a engagé des gros cons pareils? Ah, je pensais que c'était un vrai. Nali, désolé. Ah, franchement, qui a engagé des cons pareils qui sont même pas foutus? C'est bon. Michel, va au salon télé. Attends. Voilà, j'ai des renseignements. Parce qu'il y est celui comme ça. Ah, vas-y. J'ai une impression de déjà vu. Le truc, il est encore pété. Monsieur le Président, on vient vous sauver. Il me faut votre code d'identification. Alpha, Zulu, Tango. Confirmé. Restez derrière nous. Oh, le code de merde. Non, j'aime pas celle-là. Je vais pouvoir tirer en continu. Toujours pas de munitions pour ce truc. Oh là là. Des drones. Salut. De toute façon, on connaissait déjà cet homme. Tu l'adores péter ce truc, hein. C'est pour ça que tu fais ça. Mon drone d'assaut. Lance ton drone d'assaut. Ouais, bah j'appuie. J'appuie depuis tout à l'heure. Ok. Ah oui, bonjour l'utilité. Bon, bah, je l'utiliserai plus. Bon. T'arrêtes pas. Ouais, bah je m'arrête pas, hein. Je ralentis juste. Il y a des armes de merde, hein. Oh putain. Et l'autre est déjà là, le truc là-bas. Bonjour. Salut, je viens vous tuer. C'est pas moi, je suis. Secteur nettoyé. On continue. Non, je suis pas. Allez, allez. Prophète, on approche de la route d'accès nord. Besoin d'une extraction immédiate. Je suis très rapide. Extraction en approche. Continuez. Fais monter le président. Et te rate pas cette fois. Bonjour le RP quoi. Hein. Je dis celui qui a déjà fait. Eh ben c'est sûr. Y a pas d'ennemis. Mitchell, par ici.
Hein ? Ah, c'est sûr, s'il n'y a pas d'ennemis, vous arrivez à bien me couvrir, bande d'abrutés. Compris, prophète. On se retranche. Eh, ça me gonfle, hein. Utilise ton bouclier. Utilise tes grenades intelligentes. Ouais, bon, tu te calmes, hein. Et je peux pas tirer ? Oh non, c'est de la merde. Eh, vas-y, dégage. Bon. Voilà le transport. Va à l'hélico, Mitchell. Ouais. Mais je continue à dire que vous servez à rien, les gars. Et là, il y a Kevin Spacey. Il me semble que nous avons un nouvel agent. C'est juste. Il a fait des progrès. Il est prêt pour une vraie mission. Beau travail. Bienvenue à Atlas. Merci. Par contre, toi, à gauche, je t'aime pas parce que j'en ai marre que tu rejettes la faute sur moi. Alors que t'es une grosse merde aussi. Voilà. Ça, c'est dit. Bienvenue chez Atlas. Bravo. Rapport de bataille Atlas de Jonathan Reims. On a fait vos preuves. On a fait pas mal de victimes. Élimination tir à la tête. Ok. Alors... J'ai deux points d'amélioration, je peux améliorer résistance, augmente la proche. Ah si. J'aime faire ça, j'aime les lamas, picots. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve prochainement pour d'autres aventures. En attendant, bye bye.